Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un Sky Defender. Aujourd'hui, je serai en défense avec Panda et Alex. Au niveau des pièces, il y avait la plupart des personnes étaient deux pièces, sauf Alex et quelques autres qui étaient full D ou trois quarts. Au niveau des limites, Sharpness 3, full P3 et avec toutes les potions de niveau 1. Mec, je suis dans un mineshaft. Par contre, on fait les poisons, hein. Ça va être important. La question des potions de poison ne s'est pas fait attendre. On avait surtout peur d'une alliance de Skrisoft et Bateloulou. Pour info, les attaquants peuvent team jusqu'à 2 et on avait peur d'une alliance entre ces deux joueurs car ils sont les deux plus forts. Et quand on voit nos teams, on part pas gagnant dès le début. Donc les potions de poison pourraient nous aider par la suite. Bon, bah là, j'ai fait mon portail du Nether. Ah, j'ai une forteresse. Bon bah j'ai 5 blaze rod, hein, ça ira bien. Oh la galère! Non, elle est pas boostant, hein, c'est venir. Il a pas boost, hein, il a pas boost. Bon, j'ai trouvé les Nether Wart, enfin. Ok, c'est bon, je suis au portail. Je reviens. Mec, je suis à la surface, genre. Oh, j'ai une perle! J'ai putain un Enderman. Ok, Alex, envoie les force speed, résistance au feu, régène, rien d'autre. Ah bah ça doit être son portail que j'ai chopé. Alex, file-moi tes co. Oh mec, je suis à l'opposé total, genre. Vous avez de la canard? Non. Ok, bon, j'en ai devant moi pour des speeds. Oh ouais, d'accord, il y a la cave qui est là. Tu vois, il y a la table d'enchant, tu peux poser de l'eau? Ah bah non, attends, j'ai mieux. Du coup, Panda, je veux bien que tu m'en donnes un peu. Ok, 12, nickel. Ah bah j'ai ce qu'il faut pour mon stuff. Oui, non mais parce que... Unbreaking 3, ça pue. Feather Falling 4, je prends ou pas? Non. J'ai pris. Mais. Qu'est-ce que tu comprends pas dans non? Je comprends, oui. Moi, je suis full P3, il m'en mon épée, après. Ah non, tout le monde m'a raquette mon épée, par contre. Bah, j'ai pas utilisé une seule fois. Non, mais t'as pas pris, protection 3, niveau 22. C'est triste. Il a quoi, Skrisoft? Il a perdu son lapis. Au début j'ai perdu mon tapis. Oui, moi aussi, j'ai perdu mon tapis. D'ailleurs j'ai eu Fire Protection 2 sur les bottes. Dis-moi que tu m'as pas pris. Si si. Mais, de quoi? Tu peux pas mettre protection.
Mais ah bah si on inverse avec les livres, ça devrait marcher. Oui, mais c'est chiant. Non, 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 tu peux pas inverser avec les livres. Ouais, t'inquiète. Je crois que le protection positive contre le coup, je crois que c'est non, mais surtout, tu peux pas inverser genre un livre. Tu peux inverser, ok, si tu veux. Ça vous tente, après on va au château, on regarde s'il y a des gens et après on fait des rondes. J'en ai 4, tiens. Quand t'as trop de fer, tu mines pas du coup. Ok, j'ai un plaçon P3. Je suis P3, P3, P1 et Fissure Falling 4. Ok, j'ai. Oh putain, mais c'est quoi ça? Ok, j'ai déjà la une Sharp 3 du coup. Enfin, je te drop tout. Parce que Foudre, c'est pour le splash. C'est bon, j'ai un Leaf P1. C'est bon, j'ai un petit. Bon, bah voilà, t'as du Leaf P1. Moi, je vais être stuff là. Ouais, je vais être full Petra, Sharp S3. De base, t'es full D toi? Ouais. Ok. Ok, bon nickel. C'est bon, j'ai tout mon stuff. P3, 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 Fissure Falling 4. Alors vas-y, c'est quoi? Vas-y le craft. Tu veux... Ouais, c'est la. Attends, vas-y. Ouais, mets la redstone. Qui sait jouer potion de poison, les mecs? Moi aussi je sais jouer potion de poison. Moi je vais bah en vrai je suis chaud pour jouer potion de poison. Mais par contre vraiment c'est. Est-ce que t'es du genre à balancer potion de poison dans le tas ou à dans le tas avec tes mates avec ou vraiment bien ciblé? Ah bah avec bah je les prends alors si c'est pour faire ça c'est pas la peine. Hein. Ah ok ouais. Ok j'ai sharpness 2 recul 2 et avec une sharp 3 à côté. Là tu fais des potions malsaines, potions, ok. Ouais, t'inquiète, je Fire résistant, j'avais ramené combien de... Il y en a deux, donc on prend 1, 2, 6... Bah, 3 potions... Non, 2 potions chacun de fire résistance. Oui. Je peux prendre des speeds. Comme ça, c'est déjà fait. Tu peux même en prendre 3, parce que je vais en refaire. Ok, bah ça fera 3. On en prend 3 chacun, comme ça on est tranquille. Ouais. Je prends les potions de 8 minutes de force. Comme ça, moi au moins je suis déjà paré pour le combat. J'ai pris les 3, comme ça au moins je suis tranquille. Les poisons, au pire, tu me les fileras. Vu que toi t'es full D, tu peux tanker et moi je peux m'aider avec les potions de poison. Et même ce qu'on peut faire, c'est qu'on dégage assez puissant. Vous me laissez passer devant, je leur splash la potion de poison et on les rush. Alors, on va faire un point PVP. Patate est bon. Batloulou est bon, Skrisoft est bon. L'Inali, je connais. L'Inali, il est à mon niveau. Du coup, mais au lieu de. Mets pas de poudre de creep, mets de la poudre de redstone pour faire plus allongé. Oui. Voilà, et après, je mettrai la poudre de creep. Ouais. Merci. J'ai pas de flèche d'ailleurs. Merci. Ok, j'ai mis la potion. Enfin, un filon de 8. De quoi? Des potions de quoi? Ah, je prends les 3 fer, 2 fer et résistance. Ouais, clairement, là, après, tu prends les de quoi faire les potions, après, tu planques ça au château, et puis voilà, quoi. Ok, j'ai les potions de poison. Ouais, moi aussi. Bon, allez, go, on y va? On y go? Allez, go, on monte. Ok. Non, regarde, ça a déjà monté là-haut. Dépêche-toi. Ok. J'ai une Nether Pearl au cas où. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Ouais, c'est les coordonnées où il y a à peu près château. Je prépote au cas où, hein, vraiment. Ah oui, là-haut. Shoot. On le tabasse.
Ok, il a perle. Ou j'en sais rien. Je l'ai vu, ouais. Il a punch. Je vous en marque. Il a punch. Enterre-toi. Mec, je sais pas où il est. Il est passé où? Bon, reviens au TP, viens au TP. Mec, je lui ai mis 4 crit, hein. Il est pas mort, il est peut-être un ou deux coups de mourir. Hein. Passe devant au cas où. Ouais, pour tanker quand même, parce que si. Ils doivent être certainement sur le toit. Et c'est ce que je ferais, c'est ce que j'avais fait l'autre fois. Bah, démute-moi, je sais pas. Ah, il meurt par qui? Putain, je vais voir combien de dégâts de shoot je vais prendre. Un demi cœur, un cœur. Attends, peut-être là. Vous voyez où je suis? Peut-être là-dedans. Ce serait une bonne cachette. Quelqu'un qui est là, je l'ai vu, il est en dessous. Il est en dessous, il... Eh, c'est l'Inali qui est là. Yo. Oh la vache. Wouhou, je suis tombé en bas. Ah, il est en haut. Il est descendu. En bas. Je vais essayer de me le faire. Oh, salut. Oh. Ouais, y'a le droit. Si, si, y'a le droit au poison, y'a le droit. On avait demandé. Ah, si, si, il nous avait dit une oui. Non. What, il est où? Ah, j'ai perdu l'Inali. Je l'ai perdu. Bon, j'ai mis quelques coups. Hein. Je lui ai mis une poison sur la gueule. Salut! Mais. C'est ça, c'est sérieusement là, le spam. Oh, le saut de lave. Oh putain, j'ai pris cher. Ah, il est en bas. Le laisse pas tout seul, faut pas le laisser tout seul. Yes! Allez, derrière! Y'a patate! Chopez-le! Ouais! Ah, il est mort! J'ai vu, il est mort! Il est mort là! J'ai pris le TP! Ouais! Alors. Un power 2. Il est mort très drôle. En fait, je vais monter chercher le staff. Oh mec, tu me défonçais. Non, attends, reste ici pour le moment. Il était beau. Bon, allez, on remonte. Je vous couvre. Finalement, ce combat s'est plutôt très bien passé pour nous, même si j'avais extrêmement peur des joueurs et du stuff en face. D'où la potion de poison que j'ai utilisée à cette occasion, et d'ailleurs qui a plutôt bien fait son taf.
Un truc intéressant à noter, c'est que si Scrisoft n'avait pas fui et il s'était décalé sur le côté là où j'avais pris ma pomme d'or, bah, il aurait pu me tuer, puis enchaîner sur Alex, puis le tuer. Même avec son stuff, il y avait quand même une belle différence de niveau PVP, donc il le tuait largement facilement avec son stuff et ses potions. Et ils auraient pu faire un beau 2v3 et carrément nous tuer et après s'attaquer entre attaquants. Ça aurait pu être largement possible, mais on n'a jamais réellement eu de confirmation sur son action de fuite. Même s'il avait pris zéro coup, il avait la poison, mais il n'y avait pas réellement de raison de fuir le combat alors que c'était la seule occasion de la game où nous tuer. C'est surtout un grand manque de chance pour battre Loulou et une énorme opportunité pour nous, et c'est ce qui nous a permis de gagner ce combat en sortant indemne. Ah, y'a l'Inali qui est là-haut, y'a l'Inali. Merde. Ah, y'a l'Inali qui est là! Y'a l'Inali! Il est là, mais il est en haut au niveau de la salle des coffres! Vous avez fait comment pour pas le voir? Ouais, bah il a mine, ouais! Oh putain! Oh les dégâts! Oh, il a MLG! Oh le bordel, ça c'est quoi ce dédale? Il est où? Il est passé où? Ah je le vois, il est... Ah mais moi je vais pas là-dedans, hein. C'est mort, hein. Je vais pas dans ce dédale en bas. Hein. Ah ouais, ouais mais j'y vais pas moi, c'est mort. Ça par contre, bouchez-moi ça là. Non mais vraiment, hein. Bouchez-moi ça, vraiment ça coûte à mourir comme des débiles. Ouais c'est ça, mais c'est très risqué. Hein. C'est très risqué. Ah, j'ai une idée où il est. J'ai peut-être une idée où il est. Et si c'est ça, c'est un génie. Hein. Ah, mais bah là dans les murs, ouais. Mais le mur en question, je le connais. C'était par où déjà? Je crois que c'est par là. Ici, peut-être. Par ici. Regardez par ici. Inspectez tous les lieux. Je connais cet endroit. En bas, normalement il n'y a pas un trou comme ça, donc il est passé par ici. À quel moment il connaît aussi bien la map? Bah tout simplement parce que j'ai joué dessus et c'est pas comme si c'était la map de la saison 2 de Skydef, les mecs. Ah, y'a ce que. Y'a l'Inali qui est là? Il est là, au bannière, bannière. Oh, je suis trop putain! Oh, j'ai... Il m'a mis cher, hein. Premier degré. Oh non! Oh merde, j'ai failli sauter avec! Oh! Non, je suis remonté. Mais je veux vraiment. De quoi? Ok, en haut. Là! Vu! Oh putain! Wouhou! J'ai 5 coeurs, hein. Ouais! J'ai pris le heal! Enfin, j'ai pris le hit! Ah non! Oh putain! Eh, il m'a mis à 5 coeurs, hein. Oh, what? Ouais! GG. Eh, on peut pas... Oh, mais non! Mais non, on voulait des 1v1! Putain! Eh, je pensais que notre défense était éclatée, bah finalement. PvE4, quoi? Comment ça? J'ai eu 0 kill, mais c'est quoi ce bordel? Le trio de choc, on a win la game. D'ailleurs, 0 kill, c'est bizarre, à la fin j'ai pas pris le kill sur Skysoft.
Mais plus sérieusement, on a gagné cette game de Skydev. On aura toujours l'occasion de remettre notre titre en jeu en tant que trio de défenseurs. C'était une game très cool avec les potions et le P3 sur les items en diamant. C'était très très sympa, ça rappelait beaucoup de souvenirs à l'ancienne. Un peu comme aux anciens Skydev. Ça fait très très plaisir. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, mettez des likes. Et je vais recommencer les vidéos une fois toutes les 2 semaines. Allez, à plus.